Donc moi, je m'appelle Soline, j'ai 29 ans et j'étais interne en médecine générale avant de partir avec Fidesco pendant un an en Guinée-Conakry. Moi, j'étais un des 3 médecins blancs au dispensaire Saint-Gabriel à Conakry. Et notre mission, c'était d'être médecin parmi les plus pauvres. En fait, c'est un dispensaire qui a été créé pour soigner les femmes et les enfants les plus démunis de Guinée. Et voilà, donc notre mission, c'était de les accueillir, de les soigner, de les écouter et de, si possible, les guérir. Et la vie quotidienne est chaleureuse en Guinée. C'est vrai que nous, on avait la chance d'habiter dans un quartier assez populaire de Conakry. Donc on habitait une petite maison au sein de ce quartier-là et on a été vraiment accueillis de façon très belle. Les enfants du quartier étaient toujours là le matin pour venir nous saluer, pour nous souhaiter une bonne journée. C'est vrai que c'est un pays qui est à 90% musulman, donc au début on peut s'attendre à une relation avec les musulmans qui n'est pas forcément évidente, mais ça se passe très très bien et les chrétiens qui sont là-bas sont des chrétiens qui ont vraiment une foi ancrée, une foi très très belle, très joyeuse, très vivante et qui est vraiment présente dans tous les domaines de leur vie. Et ils nous entraînent vraiment beaucoup à grandir dans la foi.